Je m'appelle Anna, j'ai 12 ans. Je m'appelle Neila, j'ai 12 ans. L'œuvre que j'ai choisie, c'est La pierre des arbres de Giuseppe Pennin. Et l'œuvre que j'ai choisie est History 054 de Johan de Wild. Alors, j'ai choisi cette œuvre parce que ça rappelait des souvenirs quand on jouait avec les stages, avec mes amis. Je connaissais bien cette œuvre. Elle est là depuis que j'ai commencé le stage. C'est une grande pierre qui est un petit peu cassée, un petit peu beaucoup d'ailleurs, et qui est tombée sur un arbre en V. L'arbre est en train de la manger. Ouais, elle la mange. Ils sont en train de s'adopter l'un l'autre. Ce que je ressens, c'est vraiment des souvenirs quand on jouait au stage pendant les pauses avec nos amis. C'est vraiment ça. Pour nous, c'est pas vraiment une œuvre d'art. Si, c'est une œuvre d'art. On voit que c'est une œuvre d'art, mais voilà. Pour nous, c'est plus un terrain de jeu. Non, c'est une œuvre d'art quand même. Mais non, c'est un terrain de jeu pour nous. C'est très original, je trouve, quand même. Parce que les pierres, c'est des pierres normales, c'est un arbre normal aussi, et à deux, ça fait un truc. J'ai choisi cette œuvre parce qu'au début, je n'avais pas beaucoup d'inspiration dans les œuvres proposées. Mais puis, j'ai vu cette œuvre-ci avec une autre qui lui ressemblait. Je ne savais pas laquelle choisir, donc j'ai fait un pile ou face et c'est tombé sur celle-là. J'aimais bien parce que je trouvais que l'originalité, elle était belle. Ça me fait penser à la toupie qu'on avait et qu'on gagnait à la pêche au canard. C'était une toupie qu'il fallait lancer, une toupie normale et avec un crayon. Mais au début, ça a commencé très difficilement, donc ça c'était pas très régulier. Mais après, ça faisait des beaux ronds. Et sur cette œuvre, j'ai constaté qu'au début, c'était pas très régulier et que les ronds, par la fin, devenaient plus grands, plus beaux et plus réguliers. Les points sur le dessin me font penser à des libellules ou aux étoiles d'Empire Peter Pan et la fée Clochette. Moi, ça me fait penser, tu vois, un tunnel dans Retour le futur ou je sais pas quoi. Ben, je trouve que ce serait compliqué de faire un questionnaire là-dessus parce qu'on sait pas vraiment quoi lui dire à cette œuvre. Il y a beaucoup de détails, des petits détails. Il y a beaucoup de détails, mais en même temps, il y en a pas beaucoup. Même si ça peut ressembler à des petites choses, comme on a dit avant, ça peut pas faire le paysage portrait comme Léonard de Vinci. Mais c'est quand même autre chose qu'on ne sait pas vraiment deviner ce que c'est. Parce qu'en fait, c'est le hasard d'avoir fait ce dessin. Il a juste tourné la toupie et ça a fait un dessin. En fait, on ne sait même pas si c'est une toupie. Ben quoi? On ne sait peut-être pas si c'est une toupie. Il n'est pas écrit sur le tableau, c'est fait avec une toupie. Peut-être que l'artiste a voulu qu'on se pose la question. Ouais, peut-être. Peut-être pas.